tout le monde, c'est Christophe Chadier, on se retrouve pour les Breaking News. Et si vous préférez à ce que je fasse en fait ce genre de vidéo où je donne plusieurs informations, dites-le moi dans la barre des commentaires, j'en ferai sans aucun souci, même si ça demande un peu plus de travail. On va parler aujourd'hui de FIFA 16 et du nouveau Need for Speed qui seront présentés à l'E3 2015 qui se déroulera du 16 au 18 juin, bien sûr de cette année 1 hein, forcément. Qui est un grand salon de jeux vidéo et tout, où on va présenter souvent et bien les nouveaux grands jeux qui vont sortir avec FIFA 16 qui a été prononcé en tout cas avec quelques petites informations du style certains joueurs avec leur niveau en moyenne générale. Par exemple, quand on retrouve Lionel Messi qui sur FIFA 15 normalement était à 93 va passer à 94, malgré tout ça Ronaldo va rester à 93, et par exemple on sait aussi que Neymar Junior passera à 88 sachant qu'il était à 86, donc il a monté de 2 points, donc c'est plutôt bien. Bon, ça c'est des petits trucs, voilà, il y a eu des petites informations à propos de ça, à propos des joueurs. Ce qu'on sait aussi, c'est que bien sûr normalement il sera présenté à l'E3 2015 avec des informations un peu plus précises. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il va avoir un tout petit peu plus de choses. Il a été précisé ainsi qu'une amélioration du mode carrière Electronic Arts ayant eu l'exclusivité des droits sur la Primera Division FIFA 16 qui sortira le 24 septembre. Ça je l'ai pas précisé par contre. En gros, il y aura des équipes qui seront réunies dans une seule division, et je crois que normalement c'est un truc comme voilà, les joueurs des 30 nouveaux clubs argentins. Donc il y aura un peu plus d'équipes argentines parce que il y a eu je crois qu'il y a eu la suppression ou un truc comme ça dans l'ancien FIFA qui a énormément déplu. Donc là on va se retrouver avec un peu plus de choses, un peu plus voilà, ça devrait faire un peu plus plaisir, mais bon, c'est pas des choses énormes. Donc ça reste à voir après de qu'est-ce qu'ils vont créer, qu'est-ce qu'ils vont rajouter dans ce jeu là ça risque d'être un peu plus intéressant. Pour l'instant il n'y a pas trop d'informations, c'est juste ça. Donc c'est, on va dire, l'ajout, enfin remettre ce qui n'allait pas auparavant ou à propos des divisions et tout. Donc bon, ça va passer. Avec le nouveau Need for Speed, il n'y a pas de nom, il y a eu une sorte de petit teaser, un petit trailer que je vous montrerai aussi sur l'image. Bien sûr, ce jeu est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. À propos de FIFA 16, je ne sais pas vraiment pour l'instant, mais on va dire PS4, PC, Xbox One, les anciennes générations de consoles peut-être, mais c'est pas sûr. Je pense que oui, parce que souvent FIFA ils sortent aussi sur les anciennes générations de consoles, même quand il y a les nouvelles générations de consoles, pendant un petit temps. Donc est-ce que ce délai est dépassé ou pas, ça je ne sais pas. Enfin bref, après ça, ce genre d'informations on peut le voir très rapidement. Ce qui est bien par contre avec ce Need for Speed, d'ailleurs le trailer, le teaser est magnifique comme d'habitude hein, ils sont très doués pour ce genre de choses, et souvent après lorsqu'on joue au jeu c'est un peu différent, mais en tout cas ici EA ont aussi écouté énormément le public, donc quelque chose d'assez positif puisque ils ont amélioré, enfin ils ont, on va dire, poussé les choses au niveau de la customisation, au niveau des véhicules aussi, mais au niveau d'une sorte de open world, donc un jeu bien plus immersif qu'on a pu retrouver dans les autres Need for Speed. Donc ça risque d'être intéressant là dedans voilà, c'est à peu près tout au niveau des informations pour aujourd'hui. Avec Need for Speed et FIFA 16, dites-moi ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. Merci de mettre un petit j'aime la vidéo, faites comme vous voulez, ça fait super plaisir quand même, ça fait toujours très 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 plaisir. Et puis aussi de me dire ce que vous en pensez lorsque je vous fais des vidéos avec plusieurs informations à propos de plusieurs jeux, ou de, je peux faire aussi sur des appareils électroniques ou des trucs comme ça, si voilà, si vous préférez avoir plusieurs de, on va dire plusieurs informations dans une seule vidéo que d'avoir juste un thème, un sujet, et voilà, comme ça basta, après c'est fini. Voilà, là j'en mets 2, voire 3, je pourrais peut-être en mettre 3 informations dans une vidéo. Donc après c'est à vous de voir, et puis c'est à peu près tout, je vous laisse, merci à tous les gens, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.